Alors justement, je ne sais pas si vous voyez là un petit objet qui doit vous être familier. Ceci est un paperboard, autrement dit votre outil de travail. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on a été contacté par deux jeunes humoristes qui vous plagient à mort, qui vous admirent beaucoup et qui font comme vous parce qu'ils rêvent de devenir humoristes. Ils se sont dit, bah, les mots d'Éric et Ramzy, c'est la meilleure façon de faire. Alors on va les accueillir, les deux jeunes humoristes en question. C'est la surprise. Allez. Bonsoir. Ce soir, on va faire un mot. Un mot. Je ne connais pas. Ah, je sais pas c'est quoi le mot. J'ai jamais vu. Je sais pas c'est quoi. Et vous et nous et moi. Jamais. Miaou, 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 miaou. J'aime pas quand je fais le chat. J'arrête le chat. Pourquoi? Il se moque trop des chats. C'est vrai, tu te moques trop des chats. Un jour, il se moque des chats, après, un jour, il va se moquer d'un autre animal, après, d'un lapin. Jusqu'où on va aller comme ça là? Arrête de foutre de la gueule des chats. Et bonsoir. Bonsoir. Je connais pas ce mot. Je me demande même qu'est-ce que ça va être. Ah, c'est pas des quoi, c'est quoi, c'est comme mot? On va voir que c'est ensemble. Attends. Toi, tu fais Ramzy. Moi, je fais Las Palas. Moi, je fais Las Manas. Ah non, non, je fais pas comme ça. J'aime pas quand tu fais comme ça. Arrête. Voilà. Je fais ça, toi. Là. Dis, Ramzy, dis-le. Là. La ménopause. Là. Comme là. La tourte. Neuf. Comme un neuf. Ouais, au milieu. Un éléphant. D'accord, un éléphant. Oui. Prononcez-le. La Tirevel. C'est bien. Dites-le. Mettez-le dans la situation. Dans une situation. Allez, vas-y. Toc, toc, toc. Ça va, toquer très fort, on n'est pas dans un monastère ici. Bonjour. Je voudrais louer un appartement. Oui, c'est possible. Est-ce que vous avez des appartements? C'est pour ça que je fais des magasins. Alors, il est où? Voilà, choisissez, il y a beaucoup d'appartements, vous pouvez les choisir vous-même, hein, à votre guise. Ah ben, je vais prendre les jaunes, mettez les jaunes. Non, les jaunes, c'est pas possible, il est déjà vendu par quelqu'un qui a beaucoup d'argent plus que vous. Qui c'est ça? C'est John Smith. James Mills qui l'a acheté. Oui, il est venu, il a acheté l'appartement. Il est venu, il était tout noir et avec des lunettes d'esclips et tout. Il a acheté. Des lunettes d'esclips? Ouais. Pour voir les clips? Non, des lunettes pour faire des vidéos clips sur M6. Ah, pour voir des vidéos clips? Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre du bleu. Mettez du bleu avec le trait rouge. Très bien, tenez, voilà. Merci. Ouais. Très bien. Combien ça coûte? 4 250 francs, s'il D'accord. vous plaît. D'accord. Vous payez en choco avec de l'argent? Avec de l'espèce. Tenez. Non, c'est une carte, Une carte, oui, parce qu'on a vidé la carte. C'est une carte, tenez la carte. À la machine. Allez. Elle est lourde, cette machine. Oh, voilà. Comment on va faire? Voilà, on va mettre. Allez. Attends, je fais des... Voilà. Comme ça, il faut des mimes. Voilà. Je mets le col, ça y est. Ouais. Lui est approuvé. Voilà la preuve. Merci pour la preuve. James Mims, elle avait une grande preuve. Hein. Mais il a plus d'argent, c'est pour ça. Voilà. Allez, merci. Vous pouvez le mettre dans un sac, l'appartement? C'est pour offrir? Oui. D'accord. Oh. Tenez. Au revoir, monsieur. Non. Quoi? Tu crois, il faut payer la taxe maintenant. Ah, voilà. La taxe? Oui. Pour quoi faire? Parce que l'appartement, il est au neuf, il faut payer 4 250 francs. Ah ouais? Ouais, parce que le propriétaire est la Tour Eiffel. Le propriétaire est la Tour Eiffel quoi? Ouais, la Tour Eiffel, la Coisée, la Tour Eiffel, la Moquette, la Tour Eiffel, l'aspirateur, la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel? Oui. Un appartement, ça coûte 4 800 francs. C'est vrai. Mais ça coûte plus cher quand le propriétaire est la Tour Eiffel. Nous,
Ne voyons pas d'autres... explications. Voilà. Non, si, y a non, des... on voit d'autres explications, mais... C'est passé quoi. On ne sait pas. Bravo. Bravo. Gad. Gad Elmaleh. Bonsoir. Jamel Debbouze, Virginie, Dominique et... On a fait un monde, Eric et Ramzy. On va faire le cinéma d'Eric Ramzy maintenant. Merci Jamel, merci Gad pour ce, cette merci à vous, improvisation. C'est une occasion pour la Tour Eiffel. Je viens de te voir. Qui c'est qui l'a trouvé ce mot, la Tour Eiffel? Vous êtes deux maintenant. Qui c'est qui l'a trouvé, la Tour Eiffel? Qui a trouvé? Gad Elmaleh. Bah oui, la Tour Eiffel. C'est marrant, et comment, c'est dur à faire, on s'est aperçu que c'était dur à faire. Comment vous avez bossé tous les deux? On a travaillé, ça fait 6 ans qu'on est deux. 6 ans. On a fait un stage d'abord. On a fait un stage. Tu peux expliquer le stage? On a fait un stage, ouais. On a joué au Scrabble beaucoup, on a versé les choses. On a s'entraîné, on a été en Alaska 2 ans pour s'entraîner. On est revenu, bon, on a tout donné ce soir-là. Eh ben bravo, vraiment. Bon, on a fait du mieux. Alors, vous pensez quoi de l'amour? C'est de la merde. C'est pas terrible, je peux dire que c'est pas leur premier jour. J'aime pas trop leur humour. Ouais. C'est un humour que je cautionne pas. Qu'est-ce que vous cautionnez pas dans leur humour? J'aime pas trop c'est-à-dire eux physiquement, je les aime pas. Qu'est-ce qui vous déplaît? Je sais pas ce que je fais là. Ouais. Je me barre. Voilà. Ramzy, appelez-le. Jamel, reviens. Jamel, appelez-le. Jamel. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour me faire remarquer. Et on peut dire que vous aimez vous faire désirer. Non, il lâchait. Il n'aime pas travailler en duo, surtout. Il avait besoin de faire une enquête tout seul. Ouais. Il a envie de...